Donc, le, le but de ce TP avec le câble coaxial, c'est d'étudier la propagation d'impulsion dans le câble coaxial. Ça va nous permettre à la fois de mettre en évidence le phénomène de propagation, donc, et aussi de dispersion, d'absorption, et de vérifier aussi la valeur des coefficients de réflexion au bout du câble. Donc, c'est intéressant à plus d'un titre. Donc, le câble, on, on l'aperçoit à droite de l'image, c'est un câble de 50 mètres qui va être relié un GBF et donc on va visualiser à l'entrée du câble le signal sur l'oscilloscope numérique que voilà. Alors je n'ai pas encore relié euh, le câble à l'oscilloscope parce que dans un premier temps, je vais déjà simplement régler les impulsions que je vais envoyer dans le câble. Alors on va voir que il faut que ces impulsions soient suffisamment étroites pour qu'elles ne se superposent pas avec le signal retour, l'onde retour qui va qui se sera réfléchi à l'extrémité de ce câble de 50 mètres, donc il aura parcouru une distance de 100 mètres. Et donc on va aussi pouvoir mesurer la vitesse de propagation dans ce câble. Alors, pour régler les impulsions, première étape, j'ai simplement euh, re, euh, relié le GBF à l'oscillo par un câble coaxial, qu'on aperçoit sur la voie 1 de l'oscilloscope numérique. Et donc la première étape c'est de régler les impulsions. Donc je vais appuyer sur pulse. Donc c'est le mode qui me permet de régler euh, le rapport cyclique de créneaux. Donc le rapport cyclique, c'est euh, le, le rapport entre le temps passé en haut sur euh, une période sur la période complète. Donc par exemple ici je suis à 6%, ce qui signifie que sur une période de ces créneaux dissymétriques, je passe 6% du temps en haut, et donc le reste du temps, 94% du temps en bas. Et on va voir que donc on ne peut pas régler de façon absolue la largeur des impulsions, mais on ne peut régler qu'un pourcentage par rapport à la période, ce pourcentage que je règle avec duty cycle, rapport cyclique. Et euh, donc c'est pour ça aussi que le choix de la fréquence va se révéler crucial. Plus ma fréquence est grande, plus ma période est petite, et plus je peux accéder à des impulsions qui sont étroites. Euh, donc on a nos impulsions. Est-ce qu'elles sont assez étroites pour visualiser l'impulsion retour dans le cap coaxial On va le savoir tout de suite. Donc maintenant je branche le cap coaxial, il y a un T à l'entrée euh, du GBF. Et je branche le cap coaxial. Et je m'aperçois que je ne vois rien. Alors pourquoi est-ce que je ne vois rien ben C'est parce que mes impulsions ne sont pas suffisamment étroites et donc l'onde qui revient, qui s'est réfléchie à l'extrémité du cap coaxial, se superpose avec l'onde allée et finalement on ne peut pas distinguer les deux. Je vais essayer de zoomer sur une seule impulsion. Et en fait, cette impulsion est la superposition de l'onde allée et de l'onde retour. Alors, on va diminuer le rapport cyclique. Donc, 4%. On voit que ça, ça devient de plus en plus petit. Et là, on est passé en dessous de 1%. Et je vais donc zoomer. Et là, on voit qu'on a effectivement séparé l'impulsion allée de l'impulsion retour. Alors, on voit aussi un autre phénomène. J'enlève le câble coaxial c'est que l'impulsion euh, allée a été pratiquement divisée par deux lorsque je branche le câble coaxial. Donc ça, c'est un effet de pont diviseur de tension. En effet, le GBF a une résistance de sortie de 50 ohms. La résistance caractéristique du câble est, elle aussi, de 50 ohms. Et donc, on a fait un pont diviseur par deux puisque vu de l'entrée, le câble coaxial est vu, hein, c'est ça la, la notion d'impédance caractéristique, il est vu de l'entrée euh, comme une résistance de 50 ohms, et donc ça fait un pont diviseur par deux. Donc on a cette impulsion qui revient. Alors première remarque concernant la dispersion, l'absorption, on s'aperçoit qu'elle euh, est un petit peu déformée, cette impulsion-là qui revient. Et euh, donc euh, si elle est déformée, ça signifie que le paquet d'ondes, puisqu'on peut considérer que l'impulsion rectangulaire, c'est un paquet d'ondes, superposition de composantes euh, monochromatiques, eh bien, il y a eu un peu de dispersion parce que les, les angles du créneau ne sont, sont plus vraiment respectés, ça s'est légèrement étalé, ce n'est pas très dispersif, mais c'est un petit peu dispersif. Donc l'équation d'Alembert ne peut pas tout à fait décrire un tel phénomène puisque l'équation d'Alembert ne décrit que des phénomènes purement euh, sans dispersion, sans absorption, avec la vitesse de phase qui est égale à la vitesse de groupe. Et on voit que ce n'est pas tout à fait le cas ici. On a aussi un peu d'absorption puisque l'amplitude de l'onde retour est un petit peu diminuée par rapport à l'onde allée. Alors qu'est-ce qu'on peut mesurer sur euh, ce dispositif A l'aide des curseurs, on peut mesurer, donc je vais activer les curseurs, donc mode manuel type X, c'est-à-dire des curseurs verticaux sur la voie 1. Et donc je vais euh, mesurer le temps de propagation de l'onde de tension dans le câble, donc sur une longueur de 100 mètres. Donc euh, avec mon curseur, je repère le début de l'impulsion aller. Et je vais aussi, donc avec un deuxième curseur, euh, mesurer donc le, le, la durée de ce temps de propagation, donc ici retour. Et donc je lis 1,80. Euh, pardon, 540 nanosecondes, donc c'est le temps entre ces, deux, entre ces deux impulsions. On pourrait même rendre la, la mesure plus précise. Hein, profitons des capacités de l'oscilloscope en dilatant la figure. Donc euh, j'aurai, voilà. Donc curseur B, je le mets ici, au pied donc de l'impulsion retour. Et curseur A. Alors là, il bouge tous les deux ensemble. Voilà, il faut que je désactive le. Alors, curseur A, ici. Et curseur B, ici. Ah, je vois que ma mesure est légèrement modifiée, donc j'ai bien fait d'être un peu plus précis. 1,80. Non, pardon, 516 euh, nanosecondes. 516 nanosecondes. Donc on va pouvoir en déduire la vitesse de, de propagation dans le câble. Hein, donc euh, à la louche... Euh, on a une centaine de mètres de parcouru. Euh, donc la vitesse de propagation, ça va être la D sur T, bien sûr, donc 100 divisé par 500 nanosecondes, ce qui fait environ 2 10 puissance 8. Donc on voit qu'on est très proche de la vitesse de la lumière, 2 10 puissance 8 mètres par seconde. Et euh, bah tout ça, c'est parce qu'en fait l'onde se propage dans un diélectrique, donc à un certain indice. Et donc c'est un peu normal que ce ne soit pas tout à fait la vitesse de la lumière. Donc, ça, c'est la première partie du TP, euh, mesure de la vitesse de groupe, puisqu'il s'agit de la vitesse de groupe, dans le câble coaxial. Alors, maintenant, on peut également euh, mesurer des coefficients de réflexion à l'extrémité du câble. Alors, pour cela, je vais brancher à l'extrémité du câble quelques impédances. Donc,. Je peux mettre un adaptateur ici et je peux brancher ici une impédance terminale entre le cœur et la gaine du câble qui en fait est l'impédance caractéristique. C'est écrit dessus 50 ohms, c'est l'impédance caractéristique de ce câble. Et je m'aperçois que c'est exactement ce que prévoit la théorie. Il n'y a pas d'onde retour, le coefficient de réflexion est nul. Et donc, c'est un petit peu comme si, vu de l'entrée, eh le câble était infini. Et donc, c'est le rôle joué par cette impédance caractéristique. Donc, ça, c'est très utile dans les dispositifs de télécommunication. Lorsqu'on récupère un signal, on ne veut pas qu'il y ait un taux d'onde stationnaire. On ne veut pas que dans les différents éléments de la chaîne, on ait un signal qui revienne. Et donc, c'est pour ça qu'on met cette impédance terminale euh, de 50 ohms. On adapte l'impédance. C'est encore là un cas d'adaptation d'impédance. Autre situation, je vais mettre un court-circuit, donc avec encore cette terminaison. Donc à l'extrémité de notre câble coaxial, cette fois-ci, on a mis un court-circuit entre le cœur et la gaine. Donc, ce qui signifie que la tension à la sortie est nécessairement nulle. Hein, C'est la tension bande d'un fil. Et on s'aperçoit que le coefficient de réflexion a changé par rapport à la situation où la résistance est infinie. Donc quand la résistance est infinie, ce coefficient va aller sensiblement 1. Et maintenant, euh, eh bien, on voit qu'il vaut sensiblement moins 1. Donc c'est exactement ce que prévoit la, la théorie. Alors évidemment, moins 1 si on néglige le, le phénomène d'absorption et, et de dispersion. Donc voilà, on confirme les valeurs des coefficients qu'on avait prévus. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a vu euh, ce qui se passe quand on met une sortie infinie, le coefficient de réflexion vaut 1, un court-circuit, euh, donc le coefficient vaut moins 1, l'impédance caractéristique, le, le coefficient de réflexion vaut 0, il n'y a pas d'onde retour. Et finalement, on pourrait tester aussi toutes les valeurs un petit peu intermédiaires entre ces valeurs extrêmes en mettant une résistance variable à la sortie du câble. Donc, pour ça, je vais mettre un adaptateur à la sortie du câble. Et je vais mettre cette boîte de résistance variable, et je vais faire varier la résistance pour visualiser le coefficient de réflexion en sortie. Donc à la sortie du câble, je mets mon petit adaptateur qui va me permettre de relier deux fils pour accéder à ma résistance variable. Voilà. Et donc je relie tout ça à ma résistance variable qui est là et dont je vais faire varier donc la valeur. Alors on va observer le coefficient de réflexion sur l'écran. Donc Tout d'abord si je mets une résistance nulle, alors je m'aperçois que la situation n'est plus aussi jolie qu'avant. Hein. Euh, pourquoi ben, Parce que toutes ces connexions, Font que euh, le câble ne se comporte plus sur sa longueur totale comme un câble coaxial. Donc, ça, c'était ce censé être un coefficient de réflexion égal à moins 1. On voit que les connexions ont passablement déformé le signal. Mais on va voir, donc, on va essayer de se rapprocher du comportement qu'on a vu tout à l'heure. Alors si je mets une résistance qui est très grande, donc là je suis à 2 kΩ, donc une résistance très grande devant la résistance caractéristique, ce qui fait que pour le cap c'est pratiquement comme une résistance infinie, on a un coefficient égal à plus 1, euh, là je suis revenu à 0, donc 10 ohms, alors on voit qu'on a un coefficient négatif, hein, et donc là 30 ohms, 40 ohms, 50 ohms, donc là normalement je suis à l'impédance caractéristique, alors on peut le voir puisque le... Le, le résidu de signal positif et négatif, sont, les résidus sont comparables. Si j'augmente encore un peu, on va passer à un coefficient de réflexion positif. Hein, donc là maintenant, ça y est, je suis à 80 ohms, 90 ohms, 100 ohms. Et évidemment, quand on va augmenter, prendre des résistances qui vont être de plus en plus grandes devant la résistance caractéristique, eh bien ça va être comme une résistance infinie, donc comme si on ne mettait plus rien à la sortie du câble. Donc voilà, je suis à, à 4000 ohms. Et donc on est revenu à la situation initiale.